Lots of prize, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up. Comment ça va, mon Grégoire? Très bien. Bon, dites-moi, on a un championnat de France de football qui est un petit peu surprenant. Oui, hein. surtout le dernier match hier soir de la 9e journée qui opposait Strasbourg à l'OM. Et ils se sont neutralisés, mais ça s'est passé dans les dernières secondes parce que c'est un match à rebondissement. Comme on dit, il y a eu beaucoup de buts. Je vous ai mis quelques-uns de ces beaux buts. Regardez, les deux clubs étaient à un partout à la pause. Et Morgan Sanson permet à l'OM de virer en tête dès le début de la deuxième période. À l'heure de jeu, la tête de Koné permet à Strasbourg de revenir à deux partout. Et à 15 minutes de la fin du temps réglementaire, les Alsaciens prennent l'avantage avec cette superbe frappe de Liénard. Et dans les dernières minutes, c'est Mitroglou qui arrache le nul. Trois partout donc. Mais l'OM ne monte pas sur le podium. Et Strasbourg ne quitte pas la zone rouge. Marseille, quatrième derrière PSG, Monaco et Saint-Etienne. Et Strasbourg est 18e. Montpellier, de son côté, gagne deux places après sa victoire 2-0 face à Nice. But de Cessegnon et de Mbanza. Et Montpellier est 11e. Nice recule à la 14e place. Un match nul, un partout entre Bordeaux et Nantes. En Gironde, Nantes ouvre le score par Nakulma et égalisation bordelaise par Malcolm. Nantes 5e, Bordeaux 7e. Et du foot encore, et du foot féminin cette fois-ci. Premier derby du championnat de France. Le Paris FC recevait le PSG pour la 6e journée. Victoire de Paris, du Paris Saint-Germain. 1-0. But de, oui, parce que Paris, Paris FC. Victoire de Paris, Paris FC contre Paris. Donc c'est le Paris Saint-Germain. C'est Katota qui a marqué. Ce matin. Voilà. Bon, il y avait du rugby, de la Coupe d'Europe, oui, avec un Clermont-Ferrand rassurant. Ah, il y a eu un Clermont et un Toulon, mais ils n'ont pas gagné de beaucoup quand même. Hein. Non, mais enfin quand même. Mais quand même, oui, bon, je sais que ça vous fait plaisir. On va parler donc des Clermontois. Regardez Clermont qui est allé s'imposer chez les Gallois des Ospreys, finalistes de la dernière édition. Les Clermontois s'imposent 26-21. Et c'est Auvergnat de Raca et Spedding et Clermont qui a pu compter sur l'adresse de Parra, auteur de deux transformations et de trois pénalités. Toulon, vainqueur 2013, 2014, 2015, bat aussi les Gallois, les Scarlets 21-20. Deux essais de chaque côté, Escande et Guerrado pour les Varois. Et il y a eu un match nul entre Castres et les Irlandais du Munster. C'est Castres qui accueillait ces Irlandais. Et c'est Castres d'Eberson et de Dumora. Ouais, donc l'ASM... Oui, plus facilement que les autres. Un petit peu plus facilement. S'il vous plaît, vos petites remarques désagréables le matin. On a eu une superbe finale de tennis avec un Nadal Federer. Masters 1000 avec le Shanghai. Et c'était un... Voilà, Nadal Federer. C'est quand même la quatrième fois cette année que Federer bat Nadal. Bon, le nombre de victoires, c'est Nadal qui mène. Rappelez-moi son âge. Ouais, ils ont eu 35 et quelques. Bah, oui, 36 même. Voilà, exactement. On regarde ce qui s'est passé du côté, oui, de la Chine avec ce Roger Federer, deuxième mondial, qui remporte le 94e titre de sa carrière. Il soulève son 27e trophée Masters 1000 et le 3e cette saison. Le Suisse affrontait donc Nadal numéro 1 pour la 38e fois de leur carrière. Il s'offre une 15e victoire face à son meilleur ennemi. Rafael Nadal, visiblement fatigué et diminué par une douleur au genou, n'a pas rivalisé. Et Roger Federer l'emporte 6-4, 6-3 en 1h13, comme quoi les plus que trentenaires sont en grande forme sur les terrains de tennis. Du handball, Ligue des champions, 5e journée, 4e victoire pour le PSG en jaune. Victoire 33-26 chez les Danois d'Alborg. Paris est 2e de son groupe. Une 5e victoire pour, en autant de matchs, c'est pour les Montpelliérains qui sont allés battre le Sporting Portugal 29-33. Les Montpelliérains qui sont leaders de leur poule. Et Ligue des champions féminine cette fois avec Brest qui est en rose qui s'incline 26-23 face aux Hongroises de Gyorgyeto. Deuxième match et deuxième défaite pour les Bretonne. Et on va terminer avec du roller à Paris, marathon en roller dans la capitale. Le premier du genre, 2800 participants qui se sont élancés au pied de la Tour Eiffel pour deux boucles de 21 km, seul ou en relais de deux. Victoire chez les hommes du Nantais Ewen Fernandez en un tout petit peu plus d'une heure et ça fait une vitesse moyenne quand même de 40 km/h. Et chez les dames de Flavie Ballandras qui s'impose elle en 1h08, 35 km/h. La Fédération française de roller compte 70 000 licenciés et il y a plus de 2 500 000 et le Français qui déclare faire du roller plus ou moins régulièrement. Il faudrait qu'ils essayent sur le périph. Oui, faire le périph. Merci Grégoire.